la 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 la. Il fait trop chaud, j'en peux plus. Et vous, ça va? J'ai envie de mourir, ok? J'en peux plus de cette chaleur absolument étouffante. Faut acheter une clim avec la YouTube Bonnet. Bah ouais, mais on commence par payer les monteurs avec la YouTube Bonnet, frérot. Allez, rentrez. Who are you? Your best teammate. Remember it. Ladies and gentlemen, j'espère que vous avez passé une bonne et une agréable journée et un bon et un agréable jeudi puisque je n'étais pas là hier sur le campus de la Salty Academy où je vous ai manqué. Les locaux changent quand il fera froid. Bon, du coup, comme le campus de la Salty Academy fait un peu dans le social tous les jours de la semaine, le but du jeu étant d'aider les personnes les plus défavorisées intellectuellement. Salut Mopiz, ça va? Ça va, attends. T'as passé une bonne journée? Jusque là, oui. Attends, bouge pas. Je vais appeler le Pôle Event de la Salty Academy. Bonjour messieurs, j'espère que tout va bien pour vous au Pôle Event de la Salty Academy. C'est la première fois que vous m'entendez être sympathique avec vous, bande de petits mais c'est parce que je suis en live, donc je fais semblant de bien traiter mon staff. J'aimerais, s'il vous plaît, avoir la caméra de Mopiz qui apparaît sur mon écran. Voilà, ce serait très sympathique. Merci de le faire immédiatement ou vous êtes viré. Bonne journée. Bon. Présente-toi à tout le monde là, le temps que j'aille chercher de l'eau, ok? Parce que j'ai trop parlé. Bah je m'appelle Mopiz, j'ai 14 ans, bientôt 15 ans en fin d'année. Je vais passer au lycée en septembre. Je suis en progression sur R6 et je fais des streams sur Twitch. Ma chaîne, alors attends, puff, pif, puff, pouf, pouf, la rapidité. Tu viens de faire de la pub pour ton live là? Ouais, tu m'as demandé de me présenter, je me suis présenté. T'habites dans quelle région, on demande? Ça s'entend pas, les amis. Vous sentez... Arrêtez, ok, de le martyriser avec sa région. Il va être obligé très de... Très bien, ma région. Ton accent, il est comment? Mon accent, il est... J'ai pas d'accent. Du coup, viens là, viens dehors. Je t'ai pas demandé de faire un truc, d'accord? Pourquoi t'es rentré à l'intérieur? I don't. Ok, super, tue-moi. Récupère le diffuse. Maintenant, joue sérieux. C'est des bots en face. Non, ok, tu refais tout là, depuis le début. Tu lèches les arêtes. Tu vois ce que ça veut dire? Ouais. Voilà. Quitte à le faire en marchant, je préfère. On rajoutera la rapidité après. D'abord, on fait les choses bien, après la rapidité. Si on commence à faire autrement l'inverse, c'est de la merde. Stop, c'était de la merde là. Là, t'as pas du tout léché une arête. Tu me refais ça. Là. Non, là, tu le fais toujours pas. Toujours pas. Elle est où l'arête? Voilà. Et là, faut décaler tout en suivant le truc. Voilà. Voilà. Toujours pas. Ok. Stop. Tutoie avec tes grenades. Je te montre une fois. Ce qui détermine déjà, d'un point de vue individuel, une bonne personne ou un bon joueur sur Rainbow Six, c'est sa capacité à comprendre les mécaniques du jeu. Elle se joue d'un côté sur le aim, mais ça, c'est les blaireaux hein, qui disent ah, j'ai un bon aim. Tu lui dis ok, t'as un bon aim, super frérot. Va sur Call of Duty. Ici, faut appuyer sur le A, faut appuyer sur le Z, faut appuyer. Bon, alors là, j'ai du mal à lire parce que du coup, mon clavier est tout fucked up. En plus d'un FPS normal, faut appuyer sur A, E, se baisser, se pencher, courir, sprinter. Enfin, il y a beaucoup de boutons sur lesquels faut appuyer. Donc la vraie difficulté sur Rainbow Six, c'est pas que le aim. J'ai pas envie d'établir un pourcentage en disant c'est 50% de aim, 50%, c'est 50% de souris, 50% de clavier, mais quasiment. Pourquoi je suis revenu à la truc? Donc, les mécaniques clavier et les mécaniques souris. Et ça, à la limite, au début, tu les fais en marchant et après on accélère. Et à l'heure actuelle, t'es en toggle ou t'es en hold sur l'inclinaison? Appuyer. Ça veut rien dire. Dans tous les cas, faut appuyer. Activer, désactiver. D'accord, parfait. Donc, dans tous les cas, surtout avec la méta actuelle, je préfère que tu fasses des petites décales propres en léchant l'arête et en étant penché, plutôt que d'essayer de faire des trucs très rapides où tu vas énormément te frustrer. D'accord? Tutoie avec la grenade. Bon, je suis pas hyper chaud avec les nouvelles touches, mais ça devrait le faire. Le but du jeu, en gros, ça va être d'abord de faire ça. L'arête, elle est là. Déjà, ce qui détermine un bon joueur d'un mauvais joueur ou d'une personne qui va avoir compris les mécaniques, ça va être sa capacité à suivre l'arête. Le but du jeu, ça va être de le faire en étant lent. Je suis mon arête. L'arête, elle est là. Je la colle. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une possibilité qu'un mec décale de cette arête, je vais venir le jouer. Et bien évidemment, la plupart du temps, ça va ressembler à une espèce de danse, en fait. Il va y avoir des fois où je vais décaler vers la droite, puis après ouvrir vers la gauche. D'accord? Vers la droite, vers la gauche, là-bas.
Je vais aller là, je vais aller suivre mon arête. Il est où, lui? Je vais aller suivre mon arête, j'y vais doucement. Et je fais de la merde. Ça, c'était de la merde, tu vois. Il aurait fallu qu'il meure au niveau de l'arête, en fait. Plus le mec que je décale ou qui me décale, je le tue loin de l'arête sur son mouvement, alors plus mes réflexes sont pourris ou moins il m'est pas bon. Là, on pourra le dire, à la limite. Si le mec fait un énorme travers, je le tue quand il est là, bah c'est mort. Parce que si je tombais contre un vrai bon joueur ici, ça va jouer à rien du tout. Ça va jouer ici. À la différence entre moi qui peux le tuer quand il est au niveau de l'arête et moi qui le loupe quand il est à gauche de là où je suis en train de tirer. Est-ce que tu comprends? Oui. Ça va jouer... Tu vois, t'es du nord de la France. Oui. D'accord, merci. Le pire du pire serait des golds qui arrivent même pas à se tirer dessus et ça va ressembler à une espèce de truc comme ça où ils essaient de se tirer dessus, ils y arrivent pas, d'accord? Le mieux du mieux, ça va être les pros qui vont faire. Et là, c'est fini, terminé. Dans un pruneau de 1 mm, ils vont envoyer quasiment tout le chargeur. Là, j'ouvre ma ligne, ça va me donner la porte qui est derrière, il y a un pixel et je vais quasiment envoyer tout mon chargeur dedans. Donc, ce qui nécessite deux choses. Déjà, de pas overextend, donc c'est-à-dire de trop ouvrir en faisant ça, là. Là, j'ouvre pas trop, j'ouvre tout... Enfin, petit. Ça nécessite aussi d'avoir un bon recoil control parce que je vais devoir envoyer beaucoup de pruneaux dans une toute petite interstice. Et ça nécessite aussi, bien évidemment, de connaître la map. Parce que là, le problème, je connais pas la map. Donc, je suis obligé d'aller voir visuellement où est ma ligne. Et ça, c'est un face check. Alors que si je connais par cœur la map, je vais pré-shot. Et là, c'est plus un face check à proprement parler. Donc, le but du jeu, c'est je viens ouvrir mes lignes comme ça. Je viens là. Je viens danser ici. D'accord, ça va ressembler à peu près à ça. Et si je suis lent, c'est pas grave. Voilà ce que je fais. Et il faut qu'il y ait cette espèce de fluidité. D'accord ? C'est pas très beau. On s'en fout de lui, on va pas le jouer. C'est pas forcément le truc le plus sexy, d'accord ? Mais c'est ça qu'on veut voir. On veut voir une capacité... Ils vont être relous. On veut voir une capacité à venir lécher les arêtes. Donc là, on y va. Et on n'est pas dans une logique de speedrun. On va tuer tous les mobs, hein, mais on va essayer de faire un truc propre et fluide. Et après, on rajoutera la vitesse. Ah, tu peux me tuer. Sprint quasiment jamais. Hein. C'est pas grave si ça prend du temps. Là, c'est une grande ligne. Là, tu t'es ouvert à beaucoup de lignes sur ce couloir. Genre là... Bah ouais, tu la connais, cette map. Ouais. Bah, t'es obligé de segmenter et de t'arrêter. T'es obligé quasiment de marquer l'arrêt à chaque fois qu'il y a une possibilité de tête. Où sont les endroits où, dans ce couloir, il y aurait pu avoir une tête, à savoir une ligne. Là. Ouais, absolument. Là-bas. Ouais, c'est vrai qu'à la porte à gauche, on est d'accord que le mec pourrait pas se tenir. Peut-être ici. Pourquoi aussi bas? Enfin, là. Ouais, ouais, ok. Après, tu ouvres. Non, vas-y, continue ton... Ce que tu viens de faire, là. T'as fait des triangles, en fait, qui viennent jusqu'à toi, là. T'as, ouais. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que t'as compris que t'avais fait des triangles? Imagine qu'à chaque fois que tu fais des traits, là, tu fais des parts de gâteau. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, t'es le centre du gâteau. Et plus ça va, en fait, plus ça va aller, plus tu vas tourner pour essayer de couper ces différentes parts qui représentent un danger. Je sais pas si c'est très clair, ça. Ouais, si, ok, ouais, si. Eh ben ça, dans c'est pas dans les jeux vidéo, mais ça s'appelle cut de paille, ça s'appelle couper la tarte. Dans le CQB, même dans la vraie vie, même si dans Rainbow Six c'est poussé à outrance, ça existe en fait. On segmente chaque fois qu'on va décaler. On décale plutôt en crabe, en respectant en fait chaque possibilité qu'il y ait un ennemi à cet endroit-là. Et t'es obligé de le faire là. Ouais, ça c'est la première fois, parfait, impeccable en gros, sans forcément pré-shot, mais l'idée est là. Il restait une dernière possibilité, mais c'est pas très grave. Accroupi à droite, à côté du sac à dos, là. Au contact du premier sac à droite, là. Hein? Exactement. Oui, bah là... Mais bah, je l'aurais vu. J'aurais pris l'info. Oui, aussi. D'accord, ok. C'est vrai. Mais le but du jeu... Oui, tu as raison. Donc là... Là-bas, ouais, là-bas... Déjà, tu vois, c'est tout con. Mais là, sur Rainbow Six, s'il y en avait un à la deuxième, je sais pas si tu t'es rendu compte, on est d'accord que la première que t'as pingée, c'est la ligne 1. La deuxième que t'as pingée, c'est la ligne 2. Et la troisième, c'est la ligne 3. Là, tu ne peux pas t'exposer à la ligne 3 tant que tu n'as pas fait la 2. Et tu ne peux pas t'exposer à la 2 tant que tu n'as pas fait la 1. Et plus tu es près de la porte qui est devant toi, plus tu es proche de cette porte, et plus tu exposes ton épaule à gauche à la ligne 2 alors que tu piques la ligne 1. Effet de perspective. C'est logique. Donc, ouais. Déjà, la bonne façon d'ouvrir cette ligne, c'est pas au milieu de la porte. C'est pire. Plus loin possible. Exactement. À chaque fois, c'est d'être le plus loin possible de la ligne, enfin du mur que tu vas décaler. Les perspectives, on les connaît par cœur. Là, le mec qui est en ligne 2 et qui prend la ligne 2,
ne vois pas ton épaule. J'en suis persuadé. Si tu avances maintenant, tu ne fais qu'avancer. Tu as toujours la ligne 1. Là, le mec qui est en ligne 2 et peut-être même en ligne 3 voit ton épaule. Donc, c'est ligne 1, ligne 2, ligne 3. Non. Ah ouais, non, la ligne 3 était là-bas. Pardon. Ouais, non, j'ai inversé. Ligne 1, c'est là. Ouais. Ligne 2. Non. Ouais, je me suis trop avancé, mais... Overextend, on appelle ça. Ligne 1, ligne 2... Non, et la ligne 3, toujours pas. Là, ce que tu prends, là, c'est une pixel line qui fait... Bon, à cause de ce morceau de bois, on voit rien du tout. Mais on va dire qu'elle fait, allez, une quinzaine de pixels. Et le principe d'une pixel line, c'est un seul pixel. On va pas aller jusque là. On va considérer que ça, ce que tu fais, c'est une petite ligne. C'est bien. Mais là, ta ligne, elle était déjà trop grande, tu vois. Là, tu respectes pas le joueur qui est en face. Là, c'est propre. Voilà. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Et la troisième. Là, c'est bon. Et en bas à droite. Tu vois ce que je veux dire? Non, la tête serait du coup à côté de l'anse du sac Louis Vuitton, là. Exactement là. Oui. Ça, c'est tout con. Mais c'est à refaire, en fait. Il faut avoir cette fluidité dans le mouvement. Où tu vas venir piquer chacun de ces endroits sans te donner aux autres endroits. Et dans Rainbow Six, ceux qui ont les meilleures mécaniques du jeu le comprennent et le masterisent à la perfection. Ce genre de truc-là. Ouais, c'est tout. Tu peux continuer. Pas besoin de faire des pré-shots. Ouais, c'est parfait. Regarde, il est arrivé pile là où t'étais. Tu l'avais pas entendu pourtant ? Non. Ok. Ça s'appelle avoir un bon crosshair placement et avoir un bon réflexe. Il est apparu, instantanément, tu l'as tué. Là, généralement, il y a des têtes, là, non ? Ouais, mais on s'en fout. Ouais, oui, au-dessus des fauteuils, en l'occurrence, la tête. Et le front dépasse au-dessus des fauteuils. Voilà, parfait, on avance dans le couloir. Doucement. Y a pas de caméra en terreau. Non, penché du mauvais côté, ouais. Ouais, là, tu respectes pas les deux mecs qui étaient soit à gauche, soit à droite d'ailleurs, mais qui sont souvent là en plus en terreau. Là, retourne-toi. Là. Hop là, tu dépassais là. Là, ton épaule, elle dépasse pour lui là, dans le petit trou à gauche. En fait, t'as trois positions. T'as le micro-ondes que tu viens de jouer. D'accord. Ah, celui-là, il y a lui là-bas. Non, ouais, non, même le trou à gauche là. Le micro-ondes, c'est là 1. Exact. Là, il y a un trou là. Là, ah ouais, exactement. Là, okay. Là, c'est là ton. C'est là ta problématique. Entre guillemets, ça veut pas dire qu'il va forcément mettre sa tête là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que à chaque fois que tu dois jouer ces angles là, tu ne peux pas t'exposer à une position connue, on va appeler la position connue 2 là que tu viens de viser, ce trou là. Tu ne peux pas t'exposer à la position connue 2 alors que tu es en train d'essayer de traiter la position 1. Donc là, faut pas que j'avance plus. Exactement. Et ça va jouer à ça. Si tu avances un tout petit peu, ça se joue au détail, tu meurs. Allez, mets les pruneaux, on est sur Rainbow Six, on envoie les pruneaux, d'accord? Stop, stop, stop. Attends. Reviens en arrière. Reviens. Je t'ai dit, envoie les pruneaux. Je t'ai pas dit, fais n'importe quoi. Je t'ai juste dit, quand tu vois un mec, t'envoies la purée. D'accord? Tu mets pas des one-tap ou des one-shot, etc. Machin. Là, quand tu te décales sur le deuxième, tu vois ses bras, t'envoies le chargeur, là. Jusqu'à ce qu'il tombe. D'accord? Voilà. Les one-tap, les machins comme ça, on verra ça après. Voilà. Ça là, arriver à le tuer lui, ça c'est le point numéro 2 dont on a parlé tout à l'heure. Avoir la capacité sur Rainbow Six à avoir un tel recoil control que sur une ligne de 1 pixel, tu peux envoyer tous les pruneaux. Parce que de temps en temps, cette ligne, très souvent, elle va arriver. Et parfois, tu vas vouloir le faire, par exemple, je sais pas moi, sur un orteil qui dépasse dans un trou de drone. Et tu sais très bien qu'il faut que tu fasses le kill sur l'orteil dans le trou de drone. Si tu fais un one-tap, le mec va prendre un dégât, il va se barrer du trou de drone. Ok, ouais. Si tu peux envoyer tous tes pruneaux dans un orteil de 1 pixel, tu vas le tuer. Ouais. Et c'est ça qui va faire la différence entre un mec qui est mort et un mec qui est pas mort. Et au final, entre un round qui est gagné et un round qui est pas gagné. Un joueur, n'importe quel joueur d'un très bon niveau, quand le bras a dépassé tout à l'heure derrière le shield, il aurait eu la capacité d'envoyer en un quart de seconde assez de pruneaux pour que le mec soit décédé. Après, ouais, c'est dur. C'est dur, mais c'est pas impossible. Ok. Et c'est pas une logique de mécanique pure, hein. Ça, c'est les placements.
Et il y a plein de gens qui pensent que leurs mécaniques sont bonnes, ouais, mais ils n'ont pas forcément la logique de CQB, de venir, ok, bah pourquoi est-ce que je vais venir là, etc. Donc bien évidemment, ce mouvement-là, il aurait dû être fait en 2 secondes. Mais les personnes qui me parlent de Shake Copic maintenant ne comprennent toujours pas, quoi. On parle de placement. On parle pas de mécanique et de mouvement à proprement parler. Tous les joueurs qui sont stuck, silver ou gold et en dessous, ils se placent mal. Et on leur dit, t'as caché Copic, t'as caché Copic. Mais le vrai problème, c'est que à aucun moment c'est visible la raison pour laquelle Sheiko va aller jouer plutôt cet angle-là que celui-là. Ils ont pas ces informations-là. Pour ça, tu peux le refaire 3 heures par jour. Tant 3 heures. Pas... S'il y en a qui sont dans le même cas que Mopiz, ça sert à rien de partir en enquête, les frérots. Si vous avez déjà du mal à lécher les arêtes et tout, ça sert à rien. Le seul truc qui va vous rester dans 3 mois, c'est ouais, bah je préfère Apex. Bah, tu m'étonnes. Bon, on va essayer de. Je vais essayer de le faire en rapide. Vas-y, si tu veux. Fix, tu mets la cam. Non, je peux pas, il fait trop chaud, les amis. Et après, bien évidemment, sur les lignes connues, là, après, on viendra rajouter. Mais déjà, problème de mécanique, enfin, de mouvement, de placement, de compréhension des maps et de connaissance des lignes, donc des maps. Donc, il faut avoir un bon map knowledge. Et après, quand on aura un bon map knowledge, alors, on pourra rajouter des petits trucs sympas, quoi. Et ce sera plus simple pour lui que pour moi de faire du Shake Copic qui nécessite à chaque fois que je sois chaud parce que je suis en hold et pas en toggle. D'accord ? On va aller voir ça. C'est pas bon hein, ce que je fais, hein. C'est pas très propre, hein. On est d'accord ? Oui. Donc, je suis pas chaud, et moi j'ai besoin d'être chaud, tu vois, pour le coup. Mais il y a une logique quand même, tu la vois la logique, quand j'essaie de venir travailler sur mes angles là. J'essaie de le faire proprement, j'essaie de prendre les infos, d'accord ? Là, sur ce genre de ligne-là, là, je vais vouloir faire un petit shake pick, quoi. En gros, une espèce de shoulder picking. Shoulder, c'est l'épaule. Donc, en fait, de bait la position du mec en face, d'accord ? De prendre une info très rapide et surtout de le faire tirer. Parce que, bah, évidemment, c'est Rainbow Six, donc on le sait. Quand les mecs tirent, ça fait un trait blanc, me donnant la position. Là, j'ai sa position, d'accord ? Et regarde le truc blanc en haut de mon écran. Il me donne sa position exacte, hein. Je sais que sa tête, elle est là. Là, j'ai pas besoin, moi, tu vois. Y a pas besoin de Wallach. Je peux bouger mon curseur et il bouge le truc. Regarde, il fait gauche, droite. On est d'accord ou pas ? Ouais. Bah, ça me donne la position précise de là où est sa tête, en fait. Les traits blancs me donnent l'angle à laquelle il est. Et comme c'est extrêmement précis et que ça se joue au pixel près parce qu'il y a un petit bitonio en haut de ce truc-là, là, bah, tu peux ajuster ton tir au moment où il va tirer, en fait. Et ça, c'est la seule chose qui va faire la différence entre j'ai envie de te voir faire. Et bien évidemment, le fait de prendre des drones, d'avoir des teammates, etc. Mais entre le fait de lécher une arête. Et le fait de défaire des décales un peu comme on le faisait sur CSGO, sur CS en 1999. Quoi. Donc des trucs un peu comme ça, tu vois. Ok, c'est le seul truc qui va faire la différence entre tu décales en léchant et tu décales un peu sans lécher. Quoi. Mais quand t'es en fail check total, t'as plus de machin, etc. Ce qu'on va vouloir voir, ça va être ça, là. Ça va être, ok, j'arrive, je lèche l'arête, je lèche l'arête, je lèche l'arête, je lèche l'arête. Une position connue, shake copic. Ça a tiré, très bien, je connais où est sa position. Ça a pas tiré, attends, je re-shake copic. Mais un petit peu plus pour insister, pour prendre l'information, de savoir s'il y a une personne sur la ligne. Y a personne, très bien, je peux passer à la menace numéro 2. Petit shake copic, parce que c'est une ligne assez connue. Petit shake copic, après, au niveau du 3. Après, y a plus vraiment shake copic. En plus j'ai plus le temps parce qu'il reste plus que 20 secondes et il faut que j'aille planter, je suis en 1v1, faut que j'accélère, je lèche les arêtes et je suis concentré à fond parce que à chaque fois que je lèche l'arête, à chaque fois moi je suis en mouvement, j'ouvre ma ligne et à chaque fois que j'ouvre ma ligne, il peut surgir à tout moment, je suis concentré et là je lui mets la tête. Ok, ça fait beaucoup, let's go. Et je vais pisser, j'arrive. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Ah.